à tous. Nous sommes très heureux de pouvoir enfin réouvrir les portes du centre équestre Équipe Périgord après ces 2 mois de confinement. On va vous expliquer par cette petite vidéo les gestes à faire et à ne pas faire, les obligations. Tout d'abord, vous devez venir 10 à 15 minutes avant votre cours. Il est préférable d'arriver avec ses affaires, ses brosses et son casque. Les parents ne sont pas autorisés à rentrer dans le centre équestre, seulement si vous voulez, un voire deux parents maximum peuvent venir, mais le masque est obligatoire. Nous avons mis à disposition un gel hydroalcoolique à l'entrée du centre équestre. Le nettoyage des mains est obligatoire. Il est possible de mettre un masque pour le cavalier seulement à pied. Le poney de l'enfant est affiché sur la vitre à l'accueil, visible de dehors. Vous pouvez saluer vos amis à distance. Lorsque vous brossez votre poney, utilisez vos brosses. Si vous ne les avez pas, vous pouvez prendre les brosses du centre équestre dans la caisse où il y a un petit bonhomme vert. Quand vous avez fini de brosser, déposez la brosse dans la caisse où il y a le petit bonhomme rouge. La désinfection se fera automatique. Il n'est pas autorisé de toucher le poney des autres copains. Quand vous avez votre bombe, utilisez-la. Sinon, prenez la bombe du centre équestre et pareil, quand vous l'avez utilisée, mettez-la dans la poubelle où il y a un petit bonhomme rouge. Pour préparer son poney, des affaires sont disposées à côté de chaque poney. Lorsque tous les cavaliers sont prêts, le moniteur vous dira d'aller dans les aires de travail, soit au manège, soit dans la carrière. Il n'y a pas de masque lorsque l'on monte à cheval. À la fin du cours, dessellez son cheval et laissez ses affaires à côté. Déposez juste le tapis que vous avez utilisé dans le bac prévu à cet effet avec un petit bonhomme rouge. Nous désinfecterons selle, filet, licorne après chaque passage. Si vous voulez utiliser la douche, il est obligatoire de se nettoyer les mains au gel avant et après. Les sanitaires seront fermés. Cependant, en cas d'urgence, vous pouvez demander au moniteur car une désinfection sera prévue après chaque passage. À votre départ, utilisez le gel hydroalcoolique. Je vous rappelle les gestes barrières. Se laver régulièrement les mains, se moucher dans un mouchoir à usage unique et le jeter. Tousser dans son coudre. Lorsque vous avez fini votre cours, vous devez partir maximum 15 minutes après votre cours. Des panneaux d'affichage vous rappelleront les gestes barrières. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris toutes les consignes. À bientôt.